Bonsoir. Oui, chauffeur. Sinon, j'aimerais vous voir. Encore. Oui, si vous pouvez me passer encore mon salaire là. Je vais. Attends. Chauffeur, je ne te comprends pas. Chaque jour, tu demandes avant sur salaire. Tu as pris avant sur salaire jusqu'à. Tu as fini l'année 2023 est finie. Quand on vient à peine de bouffer 3 mois seulement dans le mois, toi non, tu es déjà fini. Je veux passer pour 2024 là même temps. Tu veux passer pour 2024, chauffeur, attends. Sois un peu sérieux. Toi tu es là maintenant, tu as 3 femmes, 14 enfants. J'arrive. Et ça là, ça ne te préoccupe pas. Tu as encore quel problème? Dis-moi. En fait, sinon, c'est une fille là, elle est tombée enceinte. Elle a dit, c'est moi. Donc je vais l'aider. Elle va faire consultation. Elle va aller à l'hôpital. Il y a eu. Sinon, moi-même là, je sais pas moi-même qui fait ça. Hein. Non, chauffeur, c'est pas. C'est les gens de mon village. Je vais voir. Ah, c'est les gens de ton village. Oui. Tu es enceinte, c'est eux qui prennent ça là pour toi. Elle a dit, c'est moi qui l'ai enceinte. Mais... Elle a dit, et si tu n'as pas fait, est-ce qu'elle va dire que tu as fait? Je vais les dire seulement, hein. Elle va aller à l'hôpital pour faire consultation. Je vais réfléchir, je vais voir ce que tu fais. Ok, boss. Sonia. Il se passe quoi? Rien. Comment rien? Depuis hier, tu fais des allers-retours de la cuisine à la douche. Tu vomis tout le temps et tu me dis qu'il n'y a rien. Non, il se passe quoi, Sonia? J'espère que tu n'es pas enceinte. Non, ma soeur. Sonia, j'espère que tu n'es pas enceinte. Non. Je t'ai ramené du village il y a un mois seulement. Ne me dis pas que tu es enceinte. Tu es là pour une formation, pour bien organiser ta vie, pour être une personne intègre. Mais là, si je fais le test et que tu es enceinte, ou bien comment ça m'avouer en même temps que tu es enceinte en fait? Parce que tu es en train de t'amuser avec ton avenir. Est-ce que tu sais ça? Je vais te gifler, hein? Tu vas me dire qui t'a mise enceinte ou pas? Attends, ou bien c'est mon mari qui t'a embrassé? Non. Et c'est qui alors? Il se passe quoi dans la maison? Parle-lui. Elle est enceinte et je veux connaître l'auteur de la grossesse. C'est pourquoi tu demandais si c'est moi je l'ai enceinte. Ah! Moi, j'ai une autre situation plus grave que ça. Et toi, tu me parles de... J'ai ramené ma cousine du village. Il y a juste un mois. Elle est enceinte. Et tu trouves que ce n'est pas urgent, c'est ça? Écoute-moi, madame. Écoute-moi très bien. Ce que je gère aussi avec le chauffeur, c'est très grave aussi. Le chauffeur, déjà, où il est, il a 3 femmes. 14 enfants. Oh, Dieu! C'est une photo! Quoi? C'est lui qui m'a enceinte. Le chauffeur... Attends. Le chauffeur t'a enceinté. Bébé. Oui. Sonia. Le chauffeur t'a enceinté. Sonia. Le chauffeur. Oui. Je t'ai ramené du village. Pourquoi tu couches avec le chauffeur? Il ne m'a pas dit ça. Il devait te dire ça. Oui. Il devait te dire ça. Ton avenir ne t'a pas préoccupé. Tu es venu coucher avec le chauffeur. Allez. Viens, relève-toi de la vie. Chérie. Toi, tu n'as pas pitié de toi. Ta grand-sœur te fait venir du village pour que tu deviennes toi-même. Et tu n'as pas choisi quelqu'un de meilleur pour tomber enceinte. Le chauffeur, tu allais faire mal, couche-toi. Le chauffeur, lui, va me sentir au dehors. Elle est tombée enceinte du chauffeur. Si mon boss peut me donner l'argent là maintenant, là, vraiment, je vais finir avec ça. 4e femme. Je vais faire une femme d'ailleurs qui était dans ça. Je vais quitter dans cette femme. Sinon, tiens, attends. Oui, papa. C'est bien glacé. Oui, c'est bien glacé. Combien? Combien? Faut mettre ça ici. Mets ça là. Merci, tonton. D'accord. Attends, c'est toi-même qui vends pied au hôtel là. Oui. Toi, tu ne mets pas parce que tu fais vendre pied au hôtel. C'est quoi? Ah, tonton, moi, je dors pour trouver de l'argent pour manger, tonton. C'est bon. Ça, monnaie 10 000 francs. Aïe, tonton, fallait me dire ça depuis, non? Attends, comment? 25 francs? Oh, 25 francs. Pourquoi tu vends de l'eau? Tu peux pas vendre de l'eau. Moi, je suis dans une portion de toi. Je veux changer ta vie. Dis-moi, dans ton village là, ils vendent les parcelles à combien dans ton village? Tonton, vous êtes sérieux là? Moi, je veux changer ta vie. Moi, je veux faire de toi une ma femme. Moi? Oui. Tonton, moi, je vends l'eau là. L'eau là, tu vas oublier ça. Moi, je veux changer ta vie. Je veux t'ouvrir une boutique. Tu veux pas avoir boutique? Vous êtes sérieux? Ah, moi, je veux prendre soin de toi. Et là, le soir là, tu vas venir chez moi. On va rentrer à la maison ensemble. D'accord. Je vais t'amener dans ton village. Je vais te payer passer là-bas. Tes parents là, ils vivent encore en location. Oui. Je vais payer, je vais les payer mes soins. Non, je vais te payer les vrais vêtements. Tu vas quand même pas porter les vrais vêtements. Ça là, ce que tu portes là, c'est. Chauffeur. Boss. Il faut partir de toi pour l'argent. C'est quoi ton problème? Boss, non, je veux nettoyer la voiture. Tu veux nettoyer la voiture? Tu fais quoi?
Tu es en train de draguer encore avant de non, je suis point de l'eau. Ce que tu as créé chez moi là, est-ce que tu as rien réglé ça avant de commencer à draguer encore une fois? J'ai créé quoi? J'ai rien créé. Tu n'as rien créé? Est-ce que ma femme a envoyé sa cousine là pour que toi tu l'enseignes? Eh oui. Tu as déjà 3 femmes, 14 enfants. Ça là, ça ne te suffit pas. Maintenant c'est la cousine de ma femme que tu choisis maintenant pour faire 4e fois, 15e enfant. Tu veux créer école de foot? Non. Toi tu fais quoi là? Tu lèves l'eau là qui est ici. Tu penses que tu as trouvé garçon aussi? Boss. Je vais te dire une chose. Écoute-moi, il n'y a pas histoire de boss. C'est pour ça que je veux prêter de l'argent là pour la ménage. C'est pour ça que tu as prêté l'argent. Ça tombe bien, man. Ça tombe très bien. Tu vas me suivre tout de suite, non? Tu vas faire un engagement. Chaque fin du mois, maintenant, la fille prendra la moitié de ton salaire. J'ai déjà fait une place pour elle chez moi à la maison. Elle va rester avec mes 3 femmes là, à la maison. Si elle te gifle, non?